Et salut, c'est Seb, on se retrouve comme tous les samedis, en tout cas pour la course Manufacturer Série sur GT Sport. Donc on est ici sur le circuit de Tsukuba pour 37 tours, donc ça va être assez compliqué. Je vous le cache pas, 37 tours c'est pas simple, même si le circuit est très très petit, très très rapide. Voilà, il va falloir gérer un peu tout ça. Alors on pose un peu les bases, donc il va y avoir les durs et les médiums à placer. Donc il me semble que je suis en dur, si je me trompe pas. Si j'ai pas fait d'erreur, et du coup je vais piter. Vous voyez, j'ai fait le quatrième temps, c'est pas trop mal, c'est même bien, je trouve. Donc il va y avoir de la bagarre, je pense, hein, parce qu'il n'y a pas de quoi vraiment se distancer sur ce petit circuit. En plus, on a vite fait de rattraper les retardataires, donc voilà, ça va être compliqué, mais bon, on voit tout ça sur la grille de départ. Allez, donc on est 20 sur la piste comme d'habitude. J'espère vraiment avoir mis les bons pneus, parce que j'ai pité pendant les qualifs et j'ai mis les hard, donc j'espère juste que ça a pris en compte. Donc désolé si j'ai la voix un petit peu bizarre, j'ai la crève. Bon, normalement on devrait vite s'en rendre compte au niveau des hard. Il y a déjà quelqu'un qui nous fait l'intérieur en Mercedes. Voilà, déjà. Oh là, bah déjà, c'est parti. Voilà, c'est terminé. Ah, il faut se méfier en hard, c'est très compliqué. On espère tenir au moins 17 tours. Allez, ça m'attaque déjà ici, là-bas. Ça va, ça a été sympa. Traction control à 0. Même pas roulé de la semaine sur GT Sport, je crois. Dû notamment à la crève. Alors qu'il y a quelqu'un qui s'est arrêté, je sais pas s'il a pité, non? Je sais pas ce qu'il a fait. J'ai pas bien vu. De faire un bouchon. Merci. Allez, on reste focus. Danger surtout, c'est pas de réaccélérer trop vite. Pas de sortir trop large. L'air de rien, il n'y a pas trop le droit à l'erreur quand même sur le circuit.
Ouais, faut attendre de décroiser pour pouvoir placer la puissance. Ça va, il est quand même sage derrière. Il plonge pas n'importe où, n'importe quand. Par contre, j'ai l'impression d'être en... Je sais pas si on peut, d'être en soft. En soft, je pense. Quelqu'un, ma course est foutue. Ouais, ça accroche trop bien pour être en hard. Ah, ça c'est con ça. Après, je sais pas au niveau de la consommation ce que ça va donner. On va quand même essayer de la faire, hein. De toute façon. Allez, sait-on jamais. On tente notre chance comme ça. Moi j'aurais l'impression d'être rapide. C'est toujours ça. C'est chaud avec derrière. Ouais, je suis en train de revenir avec sur ceux de devant. Une parce que forcément ils ont soit les médiums soit les hard et en plus ils sont en bagarre donc forcément
Dixième tour, onzième là, on voit qu'ils sont, commencent à être en difficulté devant. Donc ça pite, mais moi je sais pas si je vais voir quel pneu j'avais. Je sais plus. Je sais plus si on le voit. Que derrière il s'accroche. Je sais pas quel type de pneu il a, mais. Allez, on va piter. Dur. Pas faire le plein. Ouais, je crois qu'il faut que je repasse. Ah, j'ai. Je sais pas ce que j'ai. Franchement, je sais pas quel pneu j'avais. Pas grave, c'est bien. T'apprendras de tes erreurs. On lâche pas, hein. On va essayer, mais bon. On va essayer de passer la mi-course pour voir au niveau des. Au niveau de la conso s'il faut remettre ou pas. Non, moi je vois que certains mettent des tentes quand même, donc il y a quand même moyen de. De faire le changement. Allez. Ah, il faut tout doser. Je parle pas beaucoup, hein. Je suis concentré encore une fois. On va surtout essayer de pas faire d'erreur. Comme lors de la précédente course. Tiens, par rapport à une certaine réflexion que j'avais eue. J'ai vu passer.
sur ma conduite ou choses comme ça. Je mets au défi celui qui critique, bah déjà de faire les temps que je fais moi par rapport à mon ancienneté sur GT Sport, et en plus commente en même temps, puis on verra après. C'est facile de commenter après avoir conduit. Mais c'est pas si facile de commenter et de rouler. Bon, le carburant c'est large. Quatrième. C'est dommage d'avoir démarré avec les tendres. Encore une fois, c'était pas voulu. Je pense que le jour où je ferai une stratégie correcte, il y aura moyen de choper minimum le podium. Mais bon, je prends GT Sport comme une détente. C'est pas là, je suis pas là pour me prendre la tête. Faire 200 tours de training. Toujours essayer d'élargir et de redresser les roues avant d'accélérer plein pot pour éviter de partir. Ah, il y a encore du monde qui va s'arrêter de toute façon, puisque comme j'ai vu qu'ils ont passé les tendres, ça veut dire que forcément ils vont faire les trois gommes. Allez, encore deux tours je pense et je vais passer les médiums pour terminer. Derrière ça revient fort, AK, l'allemand. Alors je vous le dirai, là de toute façon c'est ma première tentative. Sur chaque course je vous dirai si j'ai essayé plusieurs fois. C'est la tentative de 16h pour ceux que ça intéresse. Malheureusement je me bats pas avec grand monde pour l'instant. Enfin, derrière ça a dû repiter parce qu'il est plus là. Allez, on est P3. Ah bah non, ça vient de sortir juste à l'instant.
On la sent bien partir, ça permet de la rattraper rapidement, mais il faut se méfier. Allez, dernier tour. C'était juste là. Allez, petit coup de frein pour la placer. Et on va piter, on va sortir loin, je pense. Enfin, loin. Les médiums. Ouais, médium. Et pas le plein. Sixième. Septième. Cinquième, donc ça va piter également. Allez, on va tout de suite voir devant. Ah ouais, c'était AK, le fameux AK, qui était plus rapide que moi. Donc ça va être compliqué. Il reste 13 tours. Derrière, ça va. On va essayer d'aller chercher la quatrième quand même. En lui mettant un peu la pression, il n'y a pas de raison. Et en plus, on ne sait pas ce qu'il a chaussé comme pneu. Donc, on a nos chances. Bon, peut-être pas en roulant comme ça là. Seconde 7. Après, s'il a mis les tentes, c'est mort. Vu son rythme, je ne pense pas. Il a repris un peu de terrain. Faut que je fasse des bons secteurs. Pas comme ça. Ah, il s'éloigne, merde.
Ouais, mais focus, voilà, 4 secondes 4. C'est plus rapide. Mais bon, une erreur, et il est redescendu en dessous de 4 secondes. Tout peut arriver. Alors j'étais le seul français dans la session. Faut que je chope la spi. Il rentre? Non, mais si. Quatrième, magnifique. Alors qu'il y a une porte juste derrière. Notre ami AK, ouais, ce serait lui, on dirait. Alors là, s'il a mis les temps, je suis foutu. Je suis foutu. Ouh, il s'est fait peur. Ah, il a les pneus froids. Clignote depuis tout à l'heure. Pas pourquoi il y a un drapeau bleu. Ah non, AK, c'est pas lui derrière. Ce serait le premier, non? Je sais pas qui c'est, fait chier ça. Oh non, il est 16ème, quoi il joue lui? Allez, 4 tours. Un petit rappel les gars pendant que je suis en course, si vous êtes encore là en train de m'écouter, n'hésitez pas. L'abonnement, le petit pouce bleu permet de référencer un peu mieux parce que c'est vrai qu'en ce moment, je me répète, mais les vues chutent. Pour certains, vous savez pas le boulot que ça demande. Alors je le fais pas pour les vues forcément. Mais
s'il y a des pouces et des vues, ça fait toujours plaisir. Quand tu y passes du temps, tu te mets une petite cam sur les pieds, comme j'ai mis, petite cam sur le volant. Ça fait toujours plaisir d'avoir un retour. C'était l'instant auto-promo. Bon, j'étais pas si loin que ça du podium. Voilà, je pense qu'en termes de points, je devrais bien monter. Alors devant, il est à 6 secondes 7, bon, c'est trop loin. Mais non, il s'est arrêté. Il va y avoir deux tours à tenir avec celui qui est derrière. Podium, ça ferait plaisir. Il reste un tour, à mon avis, il va tenter au maximum. P2 maintenant. Ah, c'était juste. Mais à mon avis, j'aurais pas la corvette. Si je peux déjà garder ma troisième place, ce serait déjà superbe. Plus qu'un virage, allez. Allez, la pression. On va garder la corde. Ah, il était pas serein devant. Yes! Pouf, pouf, pouf. Bien content. Franchement, j'étais vraiment pas sûr de ma strat. Franchement, ouais, j'avais des gros doutes. Mais ça a passé. Je suis content. Je vais regarder les points, ce que ça donne. Hop. Alors là, franchement, vraiment satisfait pour un one shot comme ça. J'y croyais pas. Comme quoi, jamais rien lâché, notamment avec des stratégies comme ça, forcément tout peut se passer. Bah, tu sais jamais où sont les mecs. Je me suis trompé de stratégie et heureusement ça a payé. Vraiment coup de bol. Donc, troisième, ça me permet de marquer pas mal de points. 91, je suis plus ou moins encore au-dessus de ce que j'ai fait lors de ma précédente manche. Je suis très content. Au niveau du championnat, bah, j'essaierai de vous mettre également ça, savoir où j'en suis. Et puis, bah, écoutez. On se dit à une prochaine, bonne journée, bonne semaine, bref, tchuss !